Évidemment, continuer avec un garçon qui arrive de Cerces. Alors Cerces, c'est à côté de Béziers, hein, c'est pas très très loin. Mais ses origines, elles, sont espagnoles. Et les sons qu'il réalise avec sa bouche, il vaut mieux que ce soit moi qui le dise qu'Anthony Joubert, sont connus donc dans le monde entier. Et il était une fois un jazzman. Oui, un jazzman reconnu, car c'est un véritable jazzman qui va connaître pour quelques dollars de plus le succès grâce à des films tournés en Espagne que l'on a appelés dans les années 70, vous vous en souvenez, je pense, en tout cas pour la plupart d'entre vous, des western spaghetti. Et je vais vous demander véritablement d'applaudir, de faire une ovation à un monsieur que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion souvent de côtoyer sur pas mal de scènes. C'est le siffleur des musiques de films d'Ennio Morricone. Mesdames, messieurs, pour vous ce soir, Curro Savoy. Thank you.
messieurs. On pourrait presque le siffler, mais d'applaudissements, évidemment. Bravo. Parlez-en à vos amis, spectacle, fête de fin d'année 2014. Alors, je vais vous laisser, Kulo, rejoindre Isabelle, bien sûr, toujours en direct ici, des coulisses d'Amélie. Et elle se fera un plaisir de parler de votre actualité. On se retrouve dans un instant avec encore des artistes, bien sûr. Alors, Kulo Savoy, vous avez participé à des musiques de films western. Et est-ce qu'on peut dire que le cinéma a changé votre vie d'artiste musicien? Si, a changé beaucoup. Surtout dernièrement ici en France, parce que je fais beaucoup de films, et notamment les plus connus. Bon, avec Charlotte de Turquin, La journée chez ma mère, après Gérard Depardieu, Caterina Deneva. Un film qui vient de sortir aussi, Un village presque parfait, avec Elise Moon et Didier Bourdon. Je vais aller à l'avant-première dans un mois ou deux mois. Il va être l'avant-première. Je irai à Paris pour... Bon, je vais siffler ce film, qui est très, très joli, la musique. Non, parce que sur la musique des westerns, soit il y a des faux westerns, mais qui rendent hommage à Morricone, et on retrouve des imitations de la musique de Morricone, soit ce qu'on appelle les néo-westerns maintenant, qui sont plus urbains, utilisent la musique rock ou le pop, quoi. Juste un petit détail quand même, parce que peu de gens peut-être le savent, ou certains l'ont oublié, Sergio Leone est venu au festival de Montpellier en 1984, et il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Montpellier. Voilà, Sergio Leone est citoyen d'honneur de la ville de Montpellier. Mais il est mort, mais c'est bien quand même. Voilà. Mais... je connais sa femme, j'étais à côté en table, on était tous les deux, et j'étais ravi d'être là, c'était sympa. Et j'étais au festival de cinéma d'ici, ça fait... 84, et c'était au Rabelais, et on l'avait fait descendre les marches du Rabelais avec une poursuite, une lumière poursuite, pour Était une fois dans l'Ouest. Et lui, pendant la projection, il est allé manger avec l'équipe du festival. Ça, ouais. Ça les c'était en 84, oui. C'est incroyable. Et on va continuer à parler numérique, cinéma, avec notamment Dominique Quette, qui lui est plutôt côté photographie. Vous avez trouvé une nouvelle orientation, puisque vous venez de créer des stages de photos avec le Photobus. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre concept? Alors, tout à fait. Alors, passer après autant de personnes pleines de talents, ça me paraît un peu bizarre, mais... Voilà, donc on se connaît tous. Oui, et puis on se connaît. Voilà, donc moi j'ai eu une carrière de photographe de presse pendant plus de 30 ans et je me suis reconverti donc dans la formation. Donc je fais de la formation en photographie. Alors surtout destinée à des gens qui veulent comprendre un petit peu les bases. Donc je ne vais pas sur de la formation très très professionnelle, mais je reste sur le grand public. Donc comprendre les réglages, comprendre les bases de la photo et donner envie peut-être à des gens, peut-être que vont naître de nouveaux talents après être passé dans le photobus. Voilà, donc pourquoi un bus? Disons que j'ai voulu aménager une salle de formation itinérante. Donc l'intérêt de mon bus, c'est qu'il est équipé en salle avec ordinateur, imprimante, enfin tout ce qui est nécessaire à la formation. Et l'intérêt, c'est d'être itinérant, donc de me déplacer sur le département, la région et pourquoi pas au-delà. Alors Natsakura, vous avez ouvert le plus grand studio photo et cinéma d'Europe à Montpellier. Dans le sud de l'Europe, qui s'appelle le B612. Oui, comme l'astéroïde du Petit Prince. Et vous avez aussi une actualité assez riche, puisque vous avez créé notamment un livre qui est sorti et qui a été vendu à 15 000 exemplaires. Oui, en fait, je sors un livre par an. Oui. Et le dernier est vendu à 15 000 exemplaires. Et donc, on espère que le prochain sera apprécié. Alors, le prochain, c'est celui que vous avez là, c'est oui, ça? Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail pendant que nous, on feuillette votre livre? Donc l'idée, c'est d'utiliser les moyens de la photo numérique sans jamais utiliser Photoshop ou des outils de transformation d'image. Donc c'est un art très stylisé, très sophistiqué. C'est très sophistiqué, en ce sens qu'on est une équipe de... Moi j'aime beaucoup. Une équipe de 7 personnes. Oui, vous n'avez pas vu, hein, vous inquiétez pas.
Donc il y a des femmes nues dans le livre. Ah voilà, c'est pour ça. Donc une équipe de 7 personnes avec coiffeur, maquilleur, styliste, accessoiriste, décorateur, etc. Le but, il est de construire des images impossibles dans des endroits impossibles, mais en faisant les choses réellement. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire marcher des femmes en talons aiguilles sur la mer, comme Jésus, quoi. Mais simplement en mettant des plaques de plexiglas sous l'eau, de manière à donner l'impression que c'est vrai. Et on fait les choses fausses, les choses impossibles en vrai. Voilà. Et sans utiliser Photoshop ? Non, jamais. Et justement, jamais. Dans une salle de cinéma. Hein il va encore rencontrer. Je ne suis pas sûr que Jésus avait des talons aiguilles hein, quand il marche. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a des éléments qui méritent d'être approfondis. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et puis, donc, c'est intéressant parce que. On est dans une époque où le numérique et le mensonge complet de l'image posent du problème à la population, à tous. Tous, on voit des images dont on sait qu'elles sont fausses. Et le but, c'est de ramener la vérité dans l'image, malgré le fait qu'on utilise des outils qui sont contemporains, qui sont ceux du numérique. Et ça fonctionne suffisamment bien pour que, là, rien que cette année, j'ai fait une exposition à Los Angeles, une exposition à Miami, une exposition à Santa Monica, Hollywood et Hong Kong. Et le public du monde entier adore ce genre d'image. C'est-à-dire qu'on revient simplement à la vérité, nos vérités d'humains qui créons des choses.